C'est Alexis le Rossignol, tiens. Bonjour Alexis. Ça va bien, vous allez bien? Ouais, super, ouais. Et toi? Super. Alors, on arrive au moment où l'émission enregistre son pic d'audience. Oui, c'est toi, c'est pour toi. Cette semaine, messieurs, je vais vous parler de l'Inde. Mmh. Et que je connais bien, car j'y suis allé 4 fois. Ah bon? Beaucoup de gens disent qu'une vie ne suffit pas pour connaître l'Inde. Ben, c'est des cons. Moi, 60 jours m'ont suffi. Allez-y, posez-moi une question sur l'Inde. Sur l'Inde ou l'Indre? Sur l'Inde. Ok, une autre pour voir? Pas facile, hein. Mais non. C'est 22. Il y a 22 langues officielles en Inde. Ah ouais, d'accord, okay. Elle ne payait pas de mine, votre question, mais finalement, elle n'est pas inintéressante. Ah ouais, d'accord. À ce sujet-là, d'ailleurs, j'ai lu dans Les Échos mardi. Oui, car j'ai lu Les Échos. Ah oui. Il se trouve que la personne qui était assise avant moi dans un train a laissé traîner Les Échos sur le siège, c'est pour ça que je l'ai lu. Voilà. Et une bouteille d'eau gazeuse à peine entamée aussi. Il y a des gens qui laissent des héritages derrière eux, en pensant que ça fait plaisir. Remarque, avec la chaleur qu'il faisait, elle tombait bien cette bouteille. Moi, j'ai laissé un bout de mon sandwich ton crudité pour le suivant, écrasé entre la tablette et le siège de devant pour que ce soit une surprise pour la personne. Il était 19h, je me suis dit, il aura peut-être faim. Bref, dans Les Échos. Non, t'as pas osé. C'était même pas écrit pour la fin. C'est de la France. Ah, il est bon. J'ai lu qu'en Inde, concentrons-nous, c'est déjà pas une lecture facile. Les politiques utilisent massivement l'IA, l'intelligence artificielle, pour diffuser simultanément leurs discours dans les différentes langues officielles du pays, donc dans les 22 langues, avec leur propre voix clonée par l'IA. C'est comme si en ce moment je faisais une chronique en français, mais qu'en même temps une personne habitant dans le Nord pouvait m'écouter l'affaire en ch'ti, qu'en même temps une personne habitant en Bretagne pouvait écouter ma chronique en breton, qu'en même temps une personne habitant en Corse pouvait... En fait, je vais faire 8 exemples. Ouais, voilà. Ah, allez, 8 exemples en plus. Comme ça, pour être sûr que le principe soit compris. Ça marche très bien en tout cas. Il faut savoir qu'en Inde maintenant, tout le monde est connecté, et à peu près tout le temps. Les Indiens consomment 21% des données mondiales d'Internet. Wow. Il y a 10 ans, ils en consommaient 2%. S'ils font x10 tous les 10 ans, en 2034, ils consommeront 200% de la bande passante. On s'inquiète d'une surexposition des enfants aux écrans. Mm. Pas d'inquiétude, en fait. Hein. C'est passager. Dans 10 ans, on revient au téléphone à l'ancienne, avec l'oreillette pour écouter à deux. Alors moi, par curiosité, hier soir, j'ai regardé le discours d'un homme politique indien, doublé simultanément en plusieurs langues. Mais c'est bluffant. Hein. Bon, après, les langues en question, c'était de l'ourdou, du bengali, du tamoul et du sanskrit. J'ai rien compris. Sanskrit. Ça se trouve, le type lisait une notice d'aspirateur. Mais c'était bien fait, quoi. En tout cas, je ne lis pas souvent Les Échos, mais c'est dommage, je pense que ça m'a ouvert les yeux. Avant, je pensais que le deepfake, c'était rarement utile. Déjà parce que Canteloup... Hein. Et depuis qu'on lui met la tête des gens sur le visage, on a l'impression qu'il a décidé de ne plus faire les voix. Ah non, c'est vrai. Et aussi, parce que le dernier deepfake que j'ai vu, c'était Emmanuel Macron qui faisait un tuto chignon. Ah bon? Je fais ma première queue de cheval, qui est vraiment une queue de cheval classique. Oh, wow. Et je serre bien mon élastique. Ça, c'est important. Alors, c'est pas effrayant. Inutile, ça me fait peur. Mais on attend un peu plus d'un président, quoi. Surtout quand on n'a pas assez de longueur. Macron, le président des riches et des cheveux mi-longs. Alors, est-ce que l'article nous laisse comme ça en nous disant l'IA, c'est super? Ce serait mal connaître Les Échos. Oh, écho, parce que l'article dit aussi qu'en novembre dernier, dans l'état du Telangana, oh là là, les gens qui connaissent vont réagir. Gros risque là. Une vidéo partagée par l'opposition a mis en scène un ministre du gouvernement en place qui invitait les électeurs à voter pour l'opposition. Impossible de savoir si la vidéo était vraie ou fausse. Les gens y ont cru et l'opposition a gagné. L'IA, c'est Manuel Valls, mais avec une audience, quoi. En fait, c'est chiant, le progrès. On ne sait jamais si c'est des opportunités ou des menaces. Heureusement que dans 10 ans, grâce aux Indiens, on n'aura plus Internet. Namasté, les Indiens. Donc voilà, cette chronique est terminée. Ouais. J'espère que mon sandwich a fait plaisir à la personne qui s'est assise après moi dans le train. Et bonne journée à tous. Bravo, bravo, Alexis Rossignol. Alexis Rossignol, tu es ce soir à Saint-Louis, c'est oui, en Alsace. Et à partir de septembre, on te retrouve à la Gaîté Montparnasse à Paris. Quelle joie. Eh oui.